Bonjour à toutes et à tous, c'est Orange 88 et je vous retrouve pour l'épisode 26 de Final Fantasy Dimension 2. Et donc on se retrouve, je sais plus dans quelle ville d'ailleurs. Alors nos épées de samouraï sont plus... Ah oui, ils sont plus pour les matchs que contre les ogres. Mais il y a des nepes à l'extérieur aussi. Ne pensez-vous pas qu'ils formeraient une équipe avec les ogres et nous attaqueraient? Liné m'effraie. Et Vesta peut nous attaquer aussi. Est-ce que nous irons bien? Peut-être que le ninja viendra à notre aide. Nous n'avons nullement besoin de quelconque ombre cachée, je sais pas quoi. Les samouraïs s'occuperont de chacun et de tous les ogres, nains et adversaires de Westa. Ok. D'accord, tout va bien. Mais les nains et Vessen ne sont pas mauvais. Oh. Hey. Oh oh! Excusez-moi, mais. Il y a quelque chose qui vous dérange, monsieur? Silence. Nous serions bien invités s'il remarque que tu es une elfe. Non, désolé. J'étais juste en train d'admirer votre beauté après tout. Oh, c'est si charmant ce que vous dites. Je veux dire que je prends toujours. J'ai toujours. Binknob, n'oublie faire. J'ai toujours été connu pour être quelqu'un avec. D'accord. Voilà, c'est trop compliqué. Là, trop de termes techniques pour moi, là, j'avoue. Bon, avez-vous dit elfe? Stop, juste stop. Nous sommes actuellement en train de voir nous sommes des voyageurs. Nous avons Weirdwing Play. Nous faisons une pièce à propos des Vesta et des elfes. Elle est très convaincante, n'est-ce pas? Oh, une pièce! J'adore les pièces. Peut-être que les niens seront contents aussi. Avez-vous un quelconque ami nain, vieil homme? Oui, j'en ai. Je vous attendrai à la gare au nord. Il est parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Final de vie. Ah, mais non! J'attends spécialement de pouvoir observer à nouveau ma précieuse petite elfe. Tu es définitivement mon type. Oh oh oh. Oh punaise, mais le non-respect quoi de je sais plus qui. Gamebu, d'accord, voilà, enfin, j'ai bu. Ouais, non, j'abuse un peu en disant ça, j'ai bu, mais bon. C'est l'idée quoi, clairement. Oh oh, vous êtes nus. Je doute que vous soyez vraiment venu pour me montrer votre pièce. Waouh. Donc c'est vous. Donc vous êtes ceux dont j'ai entendu parler. Vous êtes les curieuses personnes qui ont rencontré Byakko. Hein? Donc ça veut dire? Il est l'un des leurs? Peut-être. Mais je dois vous tester en premier.
Et après, je répondrai à vos questions. Alors, Smash. Bon, du coup, je retourne à mes anciens amours. Des attaques mono-cibles. Ah, là, il y a de la OE. On va économiser un petit peu. Voilà. Allez. Oh, vous battez bien. Montrez-moi comment vous battez maintenant. Ne soyez pas indulgent avec moi, d'accord? Emperor Shell. Et allez, protection. Ouais, bah tant qu'à faire de la break attack, hein. Grand slam. Ah oui, quand même. Ouais, non, je sais pas pourquoi je cherche, je continue à bourriner. Doton! Allez. Pourquoi je fais un stone breath? Moi je suis bête. C'est pas un stone breath à faire, je suis bête. Ouais, on va essayer de faire des backstabs quand même.
Ah, mais quand même. C'est pas trop tôt, journée. Écoute, si tu veux te remettre du bouclier, on va te doublier, hein. Moi, je ralentis toujours plus. Oh, mais ce combat, il n'a ni queue ni tête. Bon, il est fini, mais bon. Bah, en même temps, il faut que Mekel intervienne. Genre, j'avais pas dans la team de départ, elle s'est faite un peu draguer ouvertement quand même. J'avais raison. J'avais mes suspicions, c'est donc vrai. Je suis aussi l'une des quatre bêtes divines. Oh, bien sûr que je suis. Mon nom est Djembu. Les humains m'appellent Djembu du Nord. Vous vivez parmi les nains? Je les observe depuis des années. Aussi bien les nains que les humains. Vous êtes fait beaucoup d'amis. Et spécialement avec cet homme solitaire. Un homme solitaire? Oh. Oh, vous le rencontrerez bien assez tôt. Oh, ah, mais bien sûr, il y a ma précieuse petite elfe. Que penses-tu d'avoir une jolie petite conversation ensemble? Juste tous les deux, bien sûr. Oh, autant j'apprécie cette offre, tu me refuses? Quelqu'un semble avoir joué mal. Je sais pas. Pouvez-vous sentir l'énerve dans le truc, ouais. Je veux dire, je comprends. Je comprends. Que des fois, mes charmes encouragent des actions machin. Mais vous suis. Ah oui, mais tu cibles quelqu'un dans ces années de pratique restreinte. Oula, là, j'ai rien suivi. Je suis paumé. Je suis paumé. Partons de cet endroit et allons rencontrer les nains. Nous pourrons leur dire que le peuple de Jima est furieux après eux. Ouais, si on veut. Attendez! Ah, presque! Il y en manque un peu. Allez, partie 2. Ah, on va reprendre un peu du. Banis Bresh. Bah parfait. C'est bon, ils sont tous retournés sur leur souffle. Donc du coup, nous avons rencontré la deuxième des quatre bêtes divines. Ouais, je pense que c'est ce qui sonne le mieux, les quatre bêtes divines. Sinon, il y a peu d'intérêt. Bon, on va pas leur affronter, Jembu quand même.
Non, ça va. Ouais, on va rester comme ça. Ça ira très bien. Qu'est-ce que des humains pensent venir faire ici? Hors de notre vue. Attendez. Ah, le roi. Ça fait longtemps. Le roi nain de Giotto. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Je suis Journée, une princesse elfe d'Elheim. Une elfe? Qu'est-ce que fait une elfe ici? Et du coup, une longue discussion, etc., etc. Je vois. C'est pour ça que le peuple d'Adjima disent. Ce qu'ils appellent des ogres sont actuellement des géants. Est-ce que tu venais juste de dire les géants? J'ai entendu parler, je sais beaucoup entendu parler de leur meurtre, je sais pas quoi. Oui, c'est les mêmes. Ils viennent de la même montagne que Neric où Neric et sa femme humaine se sont retirés après avoir été expulsés d'ici. Cette montagne dangereuse est l'endroit où les géants sont présents. Ouais, ouh. Vous avez parlé de la montagne des ogres. En parlant de ça, J'espère que ce gars sera toujours présent de ces jours. Vous voulez dire celui qui est appelé pareil, n'est-ce correct? Oui. Actuellement, il est. Je pense qu'il n'est pas actuellement un ogre. Il est juste seul. Soyez prudent si vous rendez à la montagne des ogres. Ah, puissent les prières de Gamu être avec vous. Gamu. Pas sûr que nous ayons besoin des prières d'un vieil homme comme lui. J'approuve. Qu'est-ce que nous attendons pour partir? Le non-respect, quoi. Alors, sub-quest. Oui, bon, bah, classique, hein. Début du Nord. Donc. Ah oui, pardon, d'abord. Party. On va lui mettre quoi? Ah bah j'en ai pas, le problème est réglé. Le seul truc que je voulais augmenter, bon bah du coup j'ai pas ce qu'il faut. Bon, c'est pas grave. Allez, on est parti. Oh. Ah, regardez. Est-ce que c'est pareil? Personne ne peut affronter un orc de cette taille seul. Nous devons aller l'aider. Oups. Ah, regardez, nous avons de la compagnie. Allez, c'est parti!
Bon, et Moro, qu'est-ce qu'il nous fait comme attaque? Allez, Blizzard à 2. Ah oui, de toute façon, t'as que ça, donc Thunder Breath. Stone Blow. Bon, c'est un par un, ça va. Heureusement pour nous. C'est dommage, il frappe comme des fillettes ou quoi. Sinon, il aurait pu y avoir un intérêt. Gare. Hey you, l'ogre de là. Tu dois nous affronter. Allez, le petit coup de booster. Ah mais du coup, j'ai pas le debuff là. J'ai pas de debuff, zut. Non, pourquoi? Bon, ça va, j'arrive à me mettre d'aplomb. Ah, mais quand même, all right. D'accord, il fait juste une attaque bourrine. C'est totalement gratuit. Oh là, le pauvre. Comme il s'y est fait maltraiter. Ce gars, il semblerait que ce soit le boss. Ça ne sera pas facile. Journée! Il est mien. Oula, j'ai appel à quoi? Ouh, girl. Il se casse, d'accord. Calme-toi, Moro, calme-toi. Est-ce que pareil serait le chef, serait le leader des quatre ennemies divines? Ouais, eh bien, tu es revenu à toi. Il semble malin.
Plutôt mal en point après avoir repris une blessure pareille. Il faut que tu remercies la magie blanche de Journey. N'avez pas besoin d'interférer. Quoi? Attends, quoi? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Ceci est mon combat. Il est ma cible. Ne sois pas si. Sois pas si. D'accord, c'est pas si méchant. Tu n'es pas en état de pouvoir l'avoir de toi-même pour le battre. Ah oui, tu n'es pas en état de te battre pour le vaincre tout seul. Elle a raison. C'est totalement fou de ta part. Bien que tout le monde dise ça, il semblerait que les géants en aient appris Hajima et cet ogre. Mettons-nous ensemble. Je ne comprends pas pourquoi tu es si attaché à les combattre. Mais c'est toujours mieux que de se battre seul. Pareil. Tu as juste accepté tout ça. Quelle objection est peut-être recevable? Nous t'avons démontré notre force et nous t'offrons notre aide. Quoi? As-tu d'autres comp... Ah oui, d'autres messes. Ah. As-tu d'autres plaintes à nous faire part? Je vous retourne la faveur et je viens avec vous pour le vaincre. Et c'est l'esprit. Oh, il semblerait qu'il se soit fait un bel ami après tout. Un bon ami après tout. Cet homme peut finalement travailler en équipe. Les humains, les elfes et les nains. J'espère qu'ils pourront en prendre de la graine. Oui, ça serait bien, mais. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que tu fous là, toi encore? Ouais, pareil, join the party! Join the party, On a une gemme rouge, très bien. Une nouvelle super quest, ok. Des nouveaux épisodes, c'est très bien. Ouais. D'accord. 10 gigas à vaincre, très bien. Du sub. Non, sérieux? Et on l'embarque dans le rift? On l'embarque dans le rift? Allez, bon, toi. Je sais même pas. C'est quoi ça, Infuriate d'ailleurs? Au point d'en est, il faut lui faire apprendre ses compétences.
Donc ça, ensuite, party. Niveau 36 à la base. Ok, ensuite, qu'est-ce que je voulais voir? Oui. Ah, j'ai clear le chapitre, d'accord. Bon, toi, il faut que je monte à 18. Ouais, ben. Il va falloir que je fasse ça, du coup. Et toi, c'est 6. Bon, ben, très bien. Donc, du coup, journée. Non, j'assagis toujours pas. Ça, c'est ce qui me semblait aussi. Donc, on va. Donc voilà le blizzard que tu vas upgrade. Ah pardon, ça j'ai pas ce qu'il faut. C'est plus mauvais que tout, quoi. C'est tout plus mauvais. C'est nul. D'accord. Un poil plus de vitesse, non. Sens, non. Attaque vitesse, mais non. Ouais, juste de l'attaque. Ouais, non. 60 trimé comme ça. Donc voilà, 3 de plus. Ok, bon, bah du coup, on va partir voir un petit peu le Rift, hein, puisqu'il faut y aller. Apparemment, pour la suite, donc on va voir un petit peu les échanges qu'on va avoir avec Chronos. Et puis, bah, on se laissera là. Il y a une nouvelle personne. C'est une étrange place que celle-ci. C'est le Rift, un espace isolé à travers le temps. Tu as transcendé le temps et l'espace pour arriver ici. Transcender le temps et l'espace? Je n'ai aucune idée de ce que tu veux dire, mais il se passe quelque chose d'étrange, je suppose. Oh, tu as du sang tu as du sang né si je me trompe pas. Tu peux être un pont entre Hajima et Vesta ou entre toutes les races de cette façon. Nous pouvons. Oui, allons-y. Allons faire ça. Je dois admettre que mon cœur désire la même chose. Mais est-ce que les mentalités... non, je mumble ici pour les personnes de personnes que nous pouvons utiliser à propos des degrés de social... Oula, non, ça c'est trop complexe. Faudrait que j'essaye de trouver juste les dialogues pour vraiment être au point. Parce que sinon ça va être vite pénible à force si vraiment il y a plein de phrases comme ça. Mumbles? Elle veut dire pareil. Dites-moi ce que vous voulez. Je suis après lui, et c'est tout. Cet ogre, ou c'était un giga? Quelle est l'histoire avec lui? Et il semblerait que ce soit important, peut-être que tu pourrais nous éclairer à propos, avec des détails cruciaux. Ouais, quelques anciens, peut-être que nous devrions lui donner le bénéfice du doute et de retourner à Hajima. Le géant ne peut pas être parti
être parti de lui-même comme ça, ouais. Pas la peine de mentionner non plus que nous devons trouver les bêtes divines aussi. Ok, faisons-le. Allons-y plutôt, ouais. Let's do it! Bridging Est-Ouest. Donc le chapitre 3, partie 2. Invigorate, ok. New Middle Age Ajima Outskirts. De toute façon, ça reste à la même époque. Mais c'est juste un nouveau lieu qu'on a débloqué qui est. Hop, voilà, ici. Bon. D'accord, oui, puisque. Oui, s'ils sont en route, les géants pour la ville d'Ajima, forcément, il y a besoin de ça. Donc, on a Benko là-haut. D'ailleurs, Suzaku plus tard. Et on en a un à l'est qu'il va falloir trouver aussi. Donc je pense qu'on finira ça, on continuera ça pendant la prochaine fois. Je vais essayer, je dis bien, hein, je vais essayer pour la suite de trouver les discussions en français pour éviter de raconter des bêtises ou de pas savoir raconter ce que ça dit. Parce que bon, clairement, c'est ce qui. Ça peut faire défaut, hein. Même pour moi, hein, d'avoir juste la nuance mais sans savoir l'expliquer, c'est que c'est compliqué aussi. Donc j'ai essayé de trouver ça. Voilà, et puis ici, pendant que. Voilà, si jamais vous savez où pouvoir trouver ça sans problème, n'hésitez pas à me partager les liens adéquats pour pouvoir voir ça. Et voilà, sachant que du coup, on attaque le chapitre 3-2. Donc, vu qu'on a débloqué des nouveaux épisodes pour les. Donc, pour Aemo, Moro et Vreg, je vais attendre de débloquer du coup la prochaine de journée et ben, juste une, je crois, pour pareil. Si je dis pas de bêtises. De toute façon, on va aller voir ça, c'est un épisode. 3-1, 3-1. Ouais, de débloquer ces deux épisodes. Bon, ça va être assez rapide en principe, mais. Comme ça, moi, on repartira sur le bon vieil épisode. Juste les épisodes pour des boosts de stats de notre équipe. Et puis, ça sera très bien comme ça. Bref, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous dis à bientôt tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!